Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ce matériel. C'est un matériel très intéressant qui est assez largement utilisé. C'est une scie à onglet. C'est un appareil assez commun, une machine qui est représentée par différentes marques, par différents fabricants et dans différents modèles. Cette machine a différentes fonctionnalités. Cependant, toutes ces scies ont les mêmes avantages et inconvénients. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire. Appelons-la comme ça. Une petite histoire. C'est une histoire avec des détails effrayants, des erreurs, des prévisions. Pourtant, c'est une histoire qui s'est passée dans le domaine des affaires. Elle parle de l'innovation, des conséquences des erreurs, des mauvaises décisions, de l'imprévoyance. Tout ce qui se passe dans le domaine de l'innovation, tout cela a été réalisé dans l'histoire de ces appareils. Retour en 2010. C'était exactement à cette époque. Il y avait une société russe qui aujourd'hui n'est plus russe, Interskoll, bien connue de tous. Et à l'époque, nous avons commencé la coopération avec sa direction en matière d'innovation pour résoudre les problèmes et les inconvénients de ces dispositifs. Quel est l'inconvénient ici? Tout semble pourtant aller bien. Cependant, regardez, un long moteur à synchrone. Et voici exactement le même moteur de la scie Interskoll. Et ce long moteur permet à la scie de s'incliner dans un seul sens, vers la gauche. Dans ce cas, elle ne peut pas s'incliner vers la droite. Le moteur empêche de le faire. Par conséquent, lorsque vous fixez ici, par exemple, une plante, vous pouvez incliner la scie d'un côté, couper ici à un angle de 45 degrés, mais pour couper dans l'autre sens, il est impossible de le faire. Par conséquent, il est nécessaire de refixer la pièce. C'est une perte de temps, de qualité et de précision. C'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient concerne également le moteur à induction qui est branché sur le réseau monophasé, car si nous regardons le cordon d'alimentation, c'est le cordon pour réseau monophasé. Et lorsque nous démarrons ce moteur à partir d'un réseau monophasé, nous devons créer un décalage de chaîne monophasée. Pour ce faire, nous utilisons un condensateur. Le voilà. Cependant, il y a trois inconvénients. Le premier inconvénient, c'est un démarrage rapide. Et le deuxième inconvénient, en conséquence, ce sont de grands courants d'appel au démarrage. Pour les moteurs à synchrone, ces courants sont multipliés par 7 à 11 par rapport aux courants nominaux. Par conséquent, les protecteurs de réseaux électriques se bloquent souvent. Surtout quand il s'agit de nouveaux immeubles, cela nécessite ensuite des réparations supplémentaires, c'est toujours désagréable. Alors, quel est le troisième inconvénient? Le premier inconvénient, c'est que le moteur consomme d'importants courants d'appel au démarrage à cause d'une accélération rapide. Le second inconvénient est que la scie, après son arrêt par l'interrupteur, continue de tourner pendant un long moment. Et alors, une tâche nous a été confiée. Avec l'utilisation de notre technologie, il fallait assurer que le disque prenne vite la vitesse, mais que les courants d'appel ne dépassent pas deux fois les courants nominaux. Et que lorsque vous éteignez la machine, le disque s'arrête le plus rapidement possible. En outre, il fallait que le système électronique de protection fonctionne.
Dans le cas où l'amant entre dans la zone de travail, la scie doit s'arrêter très rapidement pour éviter les blessures. Par conséquent, à l'époque, il y a plus de 10 ans, nous avons utilisé notre technologie pour fabriquer un prototype de moteur. Nous avons commencé à le tester. Cependant, c'est alors que la mode des moteurs BLDC à aimant permanent, les néodymes, qui sont devenus très populaires, a été lancée. Et puis, Interscoll a misé sur un moteur BLDC. Nous avons averti que c'était une erreur, que les aimants de prototype sont maintenant vendus à des prix de dumping, mais une fois que vous approchez de la production en série, la Chine vous demandera un prix si élevé que vous n'allez plus vraiment l'apprécier. La deuxième condition que la Chine peut vous annoncer, c'est l'achat d'aimants dans la composition du produit. En d'autres termes, dans leur moteur à eux, qui auront déjà une plus grande valeur ajoutée. Ils ne nous ont pas écoutés chez Interscoll et dans la zone économique spéciale de la Bouga, ils ont commencé à construire l'usine Interscoll à la Bouga. Et quand ils ont compris leurs erreurs, il était trop tard. Sberbank leur a accordé des prêts, les problèmes avec le remboursement sont apparus. En conséquence, l'usine de la Bouga a cessé d'exister et Interscoll est devenue la société non pas russe mais chinoise. Félicitations! Ce sont les conséquences des décisions mal prises dans le domaine de l'innovation. Tout comme dans tout autre domaine d'activité, il existe des règles dans notre domaine aussi. Il y a des difficultés spécifiques, des problèmes à résoudre, des connaissances à avoir. Si vous ne possédez pas toutes ces informations, mais vous faites des conclusions hâtives ou vous vous appuyez sur l'opinion d'une personne que vous connaissez très bien et qui vous dit des choses agréables à entendre, ce n'est pas toujours correct. Parce que quand on vient voir un médecin qui nous envoie vers une opération chirurgicale, on n'aime pas ça. Et quand on nous propose de se soigner avec la phytothérapie, c'est beaucoup plus agréable, mais pas toujours efficace. Si une personne, par exemple, a une blessure grave, alors aucune phytothérapie n'aidera. La blessure doit être traitée différemment. À peu près la même chose ici. Et des années plus tard, nous sommes retournés à ce développement, car il est très pertinent. Nous sommes revenus à ce développement parce que nous avons travaillé sur la conception de l'entraînement pour la meuleuse d'angle, dont nous parlerons plus tard. Le moteur qui a été conçu pour la meuleuse d'angle, vous pouvez le voir ici, il s'est avéré également applicable à la scie. Par conséquent, regardez, voici le moteur de la scie standard Interscoll. Et voici notre moteur. Les deux sont asynchrones. Le premier moteur est démarré par un condensateur et le second par un contrôleur. Cependant, en termes de résultats, comme nous avons déjà dit, si vous supprimez une partie du moteur et y placez certains composants qui améliorent les caractéristiques, alors collectivement, notre entraînement n'est pas plus cher que celui-ci. Dans ce cas, le disque est accéléré sans créer de courant de choc. En plus, il est possible de régler le régime, puis un mode de sécurité est fourni. Ensuite, nous avons une consommation d'énergie plus faible. Parce que ce moteur, avec le contrôleur, a un cosinus phi entre 0,998 et 0,995. Sans parler de l'efficacité. Ces chiffres ne sont pas obtenus de l'air, mais sur le banc d'essai qui se trouve ici, dans le laboratoire dans lequel nous sommes maintenant. Tout cela est confirmé. C'est la réalité. Maintenant, nous fabriquons des outillages pour la production en série de tels moteurs, des kits, des bobinages, des rotors.
Tout cet équipement est déjà en préparation pour la production en série. Il faudra encore un peu de temps et la production en série sera lancée. La question est de savoir où elle peut être réalisée. Il est probable qu'elle puisse être lancée sur la parcelle numéro 16 à La Bouchevo, où la construction du BTEI est en cours. D'autres options sont possibles. Cependant, il faut comprendre que nous ne flirterons avec personne. Je préviens tout le monde. Nous l'avons déjà fait. Nous nous sommes mis à la place des autres. Nous avons compris tout le monde. Mais maintenant, ça suffit. Maintenant, le plus gros du travail pour ce développement est derrière nous. Notre société existe. Nous sommes prêts à entrer sur le marché. Parce que la Chine ne se soucie pas du nom de celui qui assemble les moteurs, qu'il s'agisse de Devolt, Interscoll ou toute autre entreprise. Vous pouvez facilement faire un changement de marque et mettre l'inscription Sovelmash ici. C'est très simple. Et pour nous, ce n'est pas difficile de produire un moteur et un contrôleur. Comment cela peut-il se terminer, étant donné que nous pouvons très bien tirer profit du prix? En outre, les marques qui ont des difficultés liées aux sanctions nous font de très bonnes offres pour entrer sur le marché. Il est difficile d'imaginer une meilleure situation qu'actuellement. Par conséquent, plus les sanctions seront imposées, plus elles fermeront notre marché, plus le marché deviendra important pour nous. Merci les sanctions. Eh bien, maintenant, nous allons faire un petit changement dans le cadre. Nous allons enlever cet appareil et mettre l'appareil Interscoll pour montrer clairement la différence. Donc, nous avons remplacé les scies, nous pouvons le voir. Voici l'outil d'Interscoll. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous voyez la zone de travail. Nous pouvons faire comme ça, tourner, tout est réglable. Vous pouvez faire un angle différent, mais néanmoins, si nous comparons ce moteur à celui qui se trouvait sur cet appareil, nous pouvons voir que les dimensions sont très différentes. Cet appareil fonctionne, il est utilisé, il est un peu en désordre, mais c'est parce que je viens de demander aux employés de le démonter. Ceci est fait pour qu'il soit clair que même cette transmission par courroie a été gardée. Ici, le contrôleur a été enlevé pour que l'on distingue mieux. Si auparavant, le régime de l'ancien moteur ne suffisait pas, car il a 2800 tours et l'outil en demande 4000, il y avait une transmission par courroie qui augmentait le rapport. Et ici, nous avons un rapport inférieur, parce que ce moteur est capable de fournir 18 000 tours, tandis que l'outil ne nécessite que 4500 tours. Étant donné que nous pouvons ajuster le régime avec le contrôleur, nous pouvons mettre n'importe quel disque, n'importe quel instrument avec n'importe quelle spécificité. C'est devenu réel. Auparavant, c'était impossible. En outre, nous pouvons changer le rapport de démultiplication, mais cela dépend déjà du fabricant lui-même. Et cela dépend aussi des fins d'application de cette machine. En principe, des fins d'application de toutes ces machines.
Ainsi, le théorème de l'existence de notre société est prouvé. Nous prévoyons de présenter nos machines lors des prochaines expositions auxquelles nous participerons. Tout le monde peut visiter ces expositions. C'est par exemple une exposition des véhicules électriques armés 2022. Il y aura aussi d'autres expositions. Nous allons les montrer là-bas et les préparer calmement de manière planifiée pour la production. Non seulement les moteurs, mais aussi... Ici, il y a maintenant la marque Interscroll PTC et le numéro de série de la machine. Nous avons encore d'autres outils là-bas. Je ne vais pas prédire, mais je pense que très bientôt, d'autres lettres et numéros de série pourraient apparaître ici. Une autre abréviation, un autre nom d'entreprise. Et ensuite, nous verrons. Qui vivra verra. Le temps passe. Tout change très dynamiquement. Et cette marque est très bonne. C'est un bon produit, un bon matériel. Mais si cette marque n'a pas changé depuis tant d'années, il est temps qu'elle change. C'est pourquoi nous avons arrêté la production de l'outil Gorenich. Il s'agit d'un complexe de plasma portable multifonctionnel. Il a vécu sa vie. Il a fallu le retravailler pour appliquer les savoirs acquis. On a déjà une nouvelle base électronique, de nouvelles solutions, une nouvelle configuration sur la base de laquelle l'alimentation pourrait être faite. Nous avons eu de nouvelles possibilités technologiques pour le brûleur. Il a été possible de redessiner Gorenich. Mais nous avons décidé de mettre toutes nos forces sur la direction principale de notre activité, qui se nourrissait de la mise en œuvre de Gorenich. Tout ce que nous avons gagné, nous avons investi dans le développement des moteurs. Par conséquent, Gorenich est devenu un donateur et son développement ultérieur n'est plus pratique. Et cet appareil-là doit être mis à jour. Nous le rajeunirons, ajouterons de nouvelles caractéristiques. On va lui donner un nouveau cœur. Et j'espère que les consommateurs resteront satisfaits de ces nouvelles qualités et seront heureux d'utiliser un tel outil. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous vous avons présenté cet outil-là. Attendez, chers amis. Ensuite, nous vous présenterons la meuleuse d'angle. Je pense que les photos de la meuleuse d'angle vous seront montrées pour la comparaison avec d'autres échantillons de marque. Ça, c'est pour vous intéresser. Ensuite, nous montrerons les tondeuses à gazon, puis les ravitailleurs en baril, puis les mortiers et bien d'autres outils, ainsi que les appareils ménagers. Leurs échantillons sont en développement. Leur préparation est en cours et nous en parlerons. Il y a donc beaucoup de nouvelles intéressantes à venir. Au revoir.